aujourd'hui, je vais vous montrer ma belle kiné. Donc moi je suis Adrien, je suis le kiné de Martin depuis un petit moment. Ça fait combien de temps qu'on se fait ? 16 ans. Ouais, j'aurais dit 5 ans, quelque chose comme ça. 5 ans. Voilà, on fait la kiné ici au domicile de Martin. Il profite de sa chambre et du chouette tapis pour pouvoir bosser aussi. Voilà. On va vous montrer 2-3 trucs qu'on fait du coup pendant les séances kiné, quoi. Donc dans un premier temps, je commence toujours avec Martin à faire bouger les jambes. Les jambes qui bougent pas énormément quand elles sont dans le fauteuil, évidemment. Évidemment, parfois c'est un peu mal et tout. Il faut qu'il m'écoute, sinon ça va faire, quoi. Ouais, t'as raison de le dire, c'est un peu un travail qu'on doit faire tous les deux, de trouver un équilibre entre bien bouger et aussi bouger sans douleur. Qu'est-ce que tu sens quand tu bouges tes jambes? Parfois ça me fait du bien, parfois la tentative est un petit peu forte. Voilà. Ouais, la kiné est faite pour te faire un peu souffrir, mais te faire du bien aussi. Hein. Ouais, ouais. Et parfois, j'en ai pas l'envie. C'est dur, parfois. Surtout quand on se réveille aux petites heures. Ouais. Parce que là, tu devrais le préciser quand même. Là, il est... Il est 8h moins, c'est moins 10. Là. Je me lève tôt pour la kiné du vendredi. Voilà. Rien de tel avant de démarrer la journée. Rien de tel, il faut imaginer qu'après... C'est hypothérapie à la ferme équestre à l'humaneur. Donc le vendredi, c'est super fin. Super fin. C'est une matinée de fou. Après, tu es crevé. Une matinée de mouvement, en tout cas. Crevé. À côté de ça, je pense que là, enfin, allez, comme tu le sais, la kiné et l'hypo et toute forme de mouvement va être trop intéressant aussi pour eux. Pour sortir du schéma de la position habituelle que tu as. Mais on peut entendre que ce soit fatigant à certains moments. Et parfois que je te pousse un peu dans ta tranche moi aussi. Ok. Regardez sur le côté. La première fois que vous faites ça, vous avez envie de le faire pour vous montrer qu'il n'y avait pas que le côté plaisir. Ouais, entre tes vidéos de voiture et toutes les activités que tu as. Ouais, ouais. T'as aussi ta routine physique. Ma routine quotidienne physique à entretenir. Une par semaine. Deux. Le vendredi et le mercredi. Alors comme on disait, il faut jongler avec Martin parce qu'il y a des positions où il n'est pas trop fan. Donc sur le ventre, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait, mais ça me fait trop mal après. Ouais, c'est vrai que te changer de position parfois c'est assez compliqué. Et la position sur le ventre avait généré pas mal de douleurs dans ton dos surtout. Ouais, dans mon dos. Ouais. Donc c'est quelque chose qui pour l'instant est. Voilà. Il ne veut pas en fait. Il faut aussi que. Quand Martin est sur le dos ou sur le côté, j'en profite pour mobiliser un maximum toutes les articulations au niveau de ses jambes. Ouais. J'essaie de venir un petit peu ouvrir au niveau de ses hanches, de chercher un petit peu d'extension aussi. Et moi je me laisse plutôt faire. Voilà. Pas beaucoup d'actifs. Tu sais dire pourquoi aussi? Quand on fait de l'actif aussi, on voit bien que c'est parfois un peu... C'est fatigant, on en fait un peu, mais c'est plus de la mobilisation. Ouais.
c'est ma gymnastique. En gros. C'est ta séance d'activité physique. Ça, plus Thibaut, j'imagine. Ouais. N'est pas utile de filmer ces séances qui viennent. Non, non. T'as du pillage en raconte. Et qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Ah, moi, bon, allez, laisse on prend la séance qui met, j'ai toujours adapté, comme on disait. J'essaie toujours d'adapter les sentiments pour que ça soit déjà supportable, mais tout en, allez, en te faisant bouger un maximum, en faisant bouger un maximum, ouais. Allez, que ce soit tes jambes, le tronc aussi, mais ça on le verra après, et tes bras. Après, voilà, tu fais de la kiné depuis largement avant que tu aies mis en jeu. Donc je pense que c'est important aussi finalement, c'est allez, que tu trouves un équilibre dans tes séances kiné, que ça t'apporte quelque chose de bénéfique, que ce soit du bien-être physique, mais aussi du mouvement, d'activation globale, mais que tu sois aussi pas trop à traîner les pieds quand on va en séance, pas traîner les pieds, enfin traîner les roues on va dire. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on communique énormément, et je crois que c'est ce qu'on fait. Que ta séance ne soit pas trop... De la torture. Voilà, de la torture. Ça, c'est pas juste une purge, c'est aussi un moment pour toi. Et un moment aussi où on échange. Je veux dire que l'avantage de se déplacer ici aussi, c'est que... Allez, on peut utiliser aussi le personne pour te transférer, et ça franchement c'est pas mal. Oui, on vous montrera après. C'est pas négligeable. Et il faut dire aussi qu'avec les autres parties, c'est pas du tout la même chose. Ouais, t'as raison de le préciser, c'est vrai que. Chaque séance est très différente et rencontrer une personne à l'autre, ça varie très fort au niveau des objectifs en séance. Ça, c'est tout à fait vrai. Chaque séance est différente. On pourrait croire que c'est en kiné parce qu'on s'est cassé un muscle ou quoi, mais c'est pas que ça la kiné. Non, forcément. C'est vrai que la kiné plus connue finalement, c'est. Allez, après une entorse de cheville ou une petite blessure musculaire comme tu dis. Mais là pour le coup c'est vrai que c'est une kiné de longue haleine avec des personnes en situation de handicap. Et le but, il y a plusieurs objectifs, je dirais. Le premier ça serait de trouver des adaptations, trouver des facilitations pour te mouvoir. Prévenir les douleurs aussi, empêcher qu'il y ait des réactions qui apparaissent, qui provoquent. Et qui limite le mouvement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à réfléchir, il y a beaucoup de choses à voter. On passe à la c'est bien qu'il y a quelqu'un, ça te permettra de regarder loin devant plutôt que de regarder les pieds. Allez, prêt, 1, 2 et 3. Vas-y, tu te tiens un petit peu tout seul ici. Tu veux pousser un truc de la fesse? Ouais. Enfin. Un petit coucou. Ok. Voilà. Je crois qu'il faut dire que voilà, c'est des choses qui peuvent paraître faciles. Mais par exemple, l'équilibre assis pour toi, Martin. Regardez si grâce. Voilà, ça déséquilibre. Ça me déséquilibre très fort.
Donc on peut dire que tu te stabilises déjà un peu avec le tronc, mais surtout avec tes bras en fait. En te tenant sous les, sous les cuisses. Quoi. Sous les cuisses. Ok, allez, on va travailler justement un peu cette stabilité au niveau, de ton assise. Tu commences en tournant la tête à gauche et à droite. Quoi. Tu m'as jamais pari aussi stable que maintenant. Est-ce que c'est le pouvoir de la caméra, ça? Allez, tu tiens, on va aller à la droite. Voilà. Faut dire que le fait de faire du mieux que je peux. Ça paraît facile ou difficile en général quand tu fais ce genre d'exercice? Ça me paraît difficile et facile à la fois. Tu peux réfléchir. Ça te demande beaucoup de concentration. Ouais. De nouveau dans des mouvements que tu fais pas tous les jours, hein, forcément. Pas tous les jours, non. C'est... Faut aller mollo, c'est ça? Faut aller mollo. Avec mon dos. Et l'autre jour qui avait des... jours où t'étais plus fatigué que d'autres. Oui, tout à fait. Forcément, comme beaucoup dans le boulot, t'as des journées plus longues, forcément. Mais quand t'es indépendant, je pense que c'est le cas pour beaucoup. Tu dois bien travailler si tu t'aimes convenablement. Ouais. Et puis, il y a des jours où je travaille avec des patients, où je dois plus bouger, où je dois parfois les aider à se déplacer. Et ça, c'est vrai que c'est parfois plus fatigant.
crois que c'est, allez, en tant que kiné, ton outil de travail est guider ton corps, bah, t'as intérêt à en prendre soin. Ouais. Donc voilà, j'essaie d'appliquer aussi les conseils que je donne à mes patients à moi-même. Ouais. Et ça, c'est parfois le plus dur. Ouais, parce qu'à la fin d'une journée, est-ce que t'as envie de faire te bouger un petit peu, mobiliser ton dos ou bien faire une petite sortie de course ou quoi. Parfois c'est difficile, mais allez, je crois que beaucoup de monde est dans cette situation. Faut parfois trouver la motivation. Et après t'en es que en meilleure forme quoi. Allez, on est parti, tu viens bouger les deux bras en même temps, ça va. Tu montes le plus haut possible, lève la tête en même temps. Et tu redescends jusqu'au tapis. Hop. Ouais. Allez, monte à fond. Ok, encore. Allez, tu te grandis, regarde en arrière. Ouais, bien. Allez, Martin, encore, vas-y, bien haut. Ouais. Allez, continue, plus haut. Ok, super, tu repars vers la rampe, tu tiens tout seul. Tu sais quoi, on va filmer plus souvent parce que t'es à fond, quoi. Il est en train de se dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait. Ah, j'ai filmé, je me la prends. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Allez, relâche bien les jambes. Mais non, on dort plus la nuit, on pas compte. Ouais, c'est ça. C'est le même. Parfois l'impression d'être un pantin. Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand je te bouge dans tous les sens. Oui. Oui. Voilà, on va essayer d'aller chercher un amplitude un peu. Voilà. Même si tu mobilises assez bien tes bras, tes épaules, on va essayer d'ouvrir un peu plus. Oui, un petit peu. La position un peu fétiche de Martin, si tu permets, c'est en flexion au niveau de ses hanches et ses joues comme ceci. Mais là, quand t'es assis comme ça, on ne fait pas beaucoup. Et c'est aussi fermé vers l'avant. Donc parfois, c'est chouette de venir ouvrir un petit peu au niveau de la cage thoracique. Et c'est pour ça que parfois quand on filme, vous voyez souvent mes genoux. Ouais, c'est intéressant de les spécifier, je pense. Hein. En fait, cette position-là pour toi, bah, c'est comme nous quand on est en position de repos, par exemple. Ouais, c'est C'est une position douloureuse ou pas? Non. Voilà. Tu cherches une position qui soit confortable et pas trop. Pas trop sollicitante au niveau musculaire. Mais voilà, j'essaye de faire le mieux que je peux quand je vous dis, mais c'est pas très facile. Donc tu dirais finalement quand tu filmes, quand tu fais tes vidéos, c'est aussi un exercice en lui-même. C'est aussi un exercice de filmer pour moi. Quand on est derrière son écran, ça ne me vient à la tête. Mais... tu iras bouger la caméra. Ouais. Il y a le petit coucher, il y a le petit coucher en arrière. Puis viens les genoux. Merci. Hop, on descend d'un étage. Si on y arrive. Voilà. C'est parfois un peu du sport. Je le fais pas dire. C'est parfois un peu du sport. Ok. Alors, tu tiens. Voilà. Plie bien les genoux. Hop. Rentre la tête, on vient de s'asseoir. 1, 2, 3, 3. C'est bien? Ouais. Voilà. On change.
Ok, super. Je crois que je ne vous ai jamais fait autant de problèmes. C'est vrai qu'on change de position régulièrement. Et là, ça me permet. Allez, ça te permet toi d'être dans une position relâchée. Ouais. Et moi, comme ça, je peux travailler un peu plus que niveau de tous les bras. Oh, mais je joue au niveau de mes bras. De tes bras, ouais. Un à la fois. Et c'est en général une séance légère. En temps, tu veux dire? En temps. C'est 45 minutes plus loin, je pense. Y'a. Avant, j'avais une heure et ça me fatiguait trop, alors on a coupé la pointe, on a fait 45 minutes. Ouais, tout à fait. T'as raison de dire, c'est toujours retrouver un équilibre pour toi. Un équilibre pour moi, pour que ce ne soit pas non plus une séance de torture. Martin. Et parfois je fais des petites blagues. Toujours dans la bienveillance. T'es sûr de ça? Oui. Alors, on replie bien les jambes. Oui. Ouais, donc là en fait on vient essayer de mettre le coude de Martin en extension. Qui est un peu bloqué, donc et qui est plus difficile de mettre dans cette position là. Oui. Mais par contre, Martin a quand même beaucoup de force pour ramener sa main proche de lui. Et c'est vrai que ça t'aime bien m'envoyer ma jambe valser. Sans lui faire mal. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais. On va dire que tu me rends un peu la monnaie de ma pièce quand même, oui. À certains moments. Oui, à certains moments. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les difficultés motrices que tu as, elles sont liées à des problèmes au niveau du tonus ouais, musculaire. Ouais, ouais. Et ce tonus, il est quand même influencé par beaucoup de choses, quoi. Donc, que ce soit ta fatigue. Par la fatigue. Et par les émotions aussi. Hein. Les émotions que j'ai. Mmh. C'est vrai que quand si t'as un moment d'excitation ou un moment d'énervement, ça va augmenter le tonus global. Ouais. Quelque chose que t'as du mal finalement à contrôler à ce moment-là. Contrairement aux d'autres moments où t'es plus relax, où t'arrives à mieux isoler un mouvement, par exemple avec tes bras, quoi. Ouais, mais comme ça, on voit aussi la vraie réalité. La vraie réalité, c'est vivre avec mon handicap et ne pas avoir trop mal. C'est un équilibre et un bien-être physique aussi. C'est un bien-être physique aussi, et ça... Et d'ailleurs, pour l'instant, tu te sens comment avec ça? Bien. Ouais. Ça se passe assez bien pour le moment. Bien. Si vous voyez, je vous sors une vidéo presque tous les semaines et je trouve que c'est un bon rythme. Comme on en a deux des bras. C'est pareil. Heureusement que t'es pas un mille pattes, Martin. Ouais, non. Et je voudrais dire aussi que c'est différent. Mon bras gauche et mon bras droit sont différents. À quel niveau, par exemple? Je n'arrive pas à tendre le bras. Autant que l'autre. Ça, le poignet. Ça fait du mal à ouvrir. Et puis tes doigts qui sont un peu plus récalcitrants. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que tu utilises ta main gauche pour toutes tes tâches. Voilà. La boucle est bouclée.
Et parfois, venir ralentir. On va courir ensemble. On a fait, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais je vous la remets. Je vais vous la remettre à la fin de la vidéo. C'est, on a fait les marathons d'hiver. T'étais là pour Camille, ouais. Ouais, comme je suis un grand fan voilà. De course à pied. Et que finalement, bah, toi aussi, depuis quelques années, t'es mordu oui. Un petit peu des compétitions oui. Comme ça. C'est vrai qu'on a fait quelques petites sorties. Oui, oui. Je vais me retrouver dans les bois à un moment, je sais pas si tu viens, paumé à deux. Oui, oui. Là, je me souviens, mais on n'avait pas filmé à ce moment-là. Non, non, c'est vrai que t'avais peur, on n'avait pas la caméra. Mais on a fait aussi la camionnette de Zems, qui est aussi un patient à toi. On a fait plein de trucs. C'est vrai. Et mes magnifiques voitures. La petite Ford Fiesta. La Hyundai i20. Tu vois, t'as aussi ce pouvoir de venir de sortir un peu de la culinaire. Ouais, c'est vrai qu'à force de se côtoyer, forcément, on va pas faire, on va pas parler que de. Et je pense que c'est tant mieux, parce qu'il n'y a pas que ça non plus. On dit de bien. Et voilà. Ça, quand on passe 45 minutes deux fois par semaine, ouais, ça c'est pas oui. C'est pas anodin. Je pense. Non, t'as tout à fait raison. Allez, je te réinstalle. Bon, on va quand même filmer ça aussi, hein. Ouais, ça, ouais. Ça, c'est le côté très pratique de chez Martin et Camille. Voilà. Une sangle à laquelle on va installer Martin pour le remettre dans son fauteuil électrique. Voilà. Et pour éviter de devoir... porter. Voilà, te porter. Donc risquer de toi te faire mal. Mal. Et de nous faire mal. Faire mal aussi. Voilà. Ok. Donc, la sangle, ouais. On la met sous les deux bras. Hop. Et sous les deux angles. Ouais. Et il y en a parfois qui croisent ça, mais moi, c'est pas le cas. Okay. Magnifique. Allez, à plus Martin. Allez, à plus. Bon, moi je pars, hein. Je te laisse comme ça. Non. Non, mais voilà, c'est la fin de cette séance. Allez, merci. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Mais ne tourne pas le dos à tes abonnés. Ouais, non. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et Instagram. Embarque avec moi, à bientôt pour une prochaine vidéo.